Famille, écoutez le message de Marie-Dominique quand Anaconda était décédé. Partagez ce message-là pour que ça arrive à la Troie. Parce que moi, j'ai un message à dire à la Troie. Partagez ma situation. Comment est-ce que tu arrives justement à supporter le coup? On supporte pas. On supporte pas, ça nous tombe dessus. On se dit que c'est pas vrai. On se dit qu'après, on va nous dire que c'est une erreur. Mais ouais, les choses sont... Ça nous arrive vraiment. Hier, j'étais en train de repasser ma chemise noire. J'avais du mal à me dire que j'allais mettre cette tenue pour dire au revoir à la Kouda. J'étais assis à côté de moi pendant... On se remet pas. Alors, Mister Anaconda, c'est la fin de la saison de lui. Bon, enfin, tout à l'heure, ce sera une seconde saison. Impression. Ah, ce que j'attendais depuis polémique, je ne l'ai pas eu. Je voulais une femme pour marier sur le plateau. Bon, je ne sais pas. D'accord. C'est tout ce qui me manque. Ok, on va demander à Marie-Dominique. Mais il a Eva. Il a Eva. Je vous présente le couple Konda, Eva Konda et Anaconda. Eva Konda. Eva Konda. Okay, pour moi, la saison va continuer. Parce que moi, Anaconda, j'ai une femme qui s'est plaquée depuis polémique. Là. Mais tu as une femme, tu dis quoi maintenant? Tu as une femme, non? Faut prendre Eva. Bien. Ça sent la jalousie. Appelez Cécile. Ouais, Cécile est la magie. Ça sent la jalousie venant de Marie-Dominique. Ok, bah tout à l'heure sur le plateau, on fera une belle émission. D'accord. À tout. Pour une fois, pour polémique, on peut boire du champagne sur le plateau. Après Anaconda, 5 mois après, c'est au tour de Marie-Dominique. Je dis que, on a tendance à dire en Afrique que toutes les morts sont naturelles. Mais la fille est décédée à 33 ans. Je pèse mes mots, je dis la fille est décédée à 33 ans. La fille est décédée des mêmes séquelles et des mêmes causes qu'Anaconda est décédée. Problème de cœur. Voilà. La fille, elle a fait un direct à la veille de sa mort. On n'a rien senti, on n'a pas senti que la fille était dans un état maladif. Il n'y avait rien. Mais on nous annonce ici que vraiment que la fille est décédée. C'est-à-dire que la mort d'Anaconda a été une mort brusque. Voici une mort encore brusque sur une chaîne de télé. Aujourd'hui, moi, là, je suis en mal. Hein. J'ai très, très mal de la situation qui se passe. Parce qu'on ne peut pas perdre nos étoiles, on ne peut pas perdre nos stars comme ça. C'est très facile. On ne peut pas perdre nos enfants en Côte d'Ivoire comme ça. Façon, dites-nous réellement. Parce que je demande ici, à l'État de Côte d'Ivoire, de faire des investigations. J'ai une grosse douleur à l'endroit de sa famille. Mes condoléances. Mais je dis et je dis encore que c'est trop facile de prendre les enfants des gens facilement comme ça. C'est trop facile de remettre toi dans la main de Dieu. C'est trop facile de venir nous faire croire que sur une chaîne de télé de renom, on peut perdre 2 employés à un laps de temps. C'est trop facile. C'est trop facile d'accepter que Marie-Dominique a quitté le monde de la télévision de façon brutale. Parce que moi, j'appelle ça de façon brutale. Oui, c'est parce que quelque part là, on est toujours là à dire que quand la mort va arriver là, personne ne peut bloquer ça. Non, c'est trop facile. Je veux que vous nous dites réellement ce qui se passe à cette chaîne de télé là pour que ça arrive comme ça. Parce que nous connaissons le monde de la télé, nous connaissons le monde. Et comment est-ce que les enfants des gens se font prendre pour ne rien? Parce que c'est bien de connaître des gens. C'est quelqu'un qu'on a connu, c'est quelqu'un qu'on a côtoyé, en tout cas, hormis les réseaux sociaux. Et venir s'asseoir pour apprendre cette déception de la part de la Troie. Faut que la Troie aussi lance des investigations. Faut que l'État de Côte d'Ivoire lance des investigations pour ne pas qu'on se retrouve toujours encore en train de perdre des gens pour rien. Voilà. Non, elle a fait une crise, elle a fait ceci, toujours dans des théories, c'est Dieu qui a donné, c'est toujours en Afrique là, c'est chez vous là-bas là. Oui, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, c'est la volonté de Dieu. Parce que vous pensez que les gens sont assis là, en train de jouer avec vos étoiles. Les gens sont assis là, vous regardez évoluer dans votre vie. Si c'est Dieu qui a donné là, arrêtons d'accuser les sorciers et puis acceptons la mort naturelle de façon claire. Mais arrêtez aussi de dire non que c'est telle personne qui a fait ça, c'est telle personne qui a fait ça. Parce qu'on est tous en Afrique, on connaît la hauteur de la jalousie.